Aujourd'hui, petite vidéo matos. On va parler de ce dripper philippin conçu par AB1, le Mirage V3. Donc, il arrive dans une petite boîte comme ça. On a impression 3D. Donc, c'est du plastoc. Hein. Voilà, bah, écoutez, on va regarder le packaging. Donc, ça va comme ça avec une petite mousse de protection. Notre dripper avec une clé Allen et un adaptateur pour les drip tips. Voilà. Donc voilà ce magnifique dripper. Très très joli. Donc moi c'est la version black que j'ai. Il y a trois versions, la SS, la black et un bleu nuit très joli aussi. Donc déjà merci à Mike Fressig de m'avoir envoyé ça. Alors pour moi et pour plein d'autres gens, c'est un excellent dripper saveur. Et l'airflow est vraiment innovant, il se voit pas du tout. Là, il est là. En fait, quand vous allez vaper, je vais essayer de vous montrer. En fait, l'airflow va remonter. Ça se règle facilement. En fait, on a juste à dévisser. On verra peut-être mieux. On dévisse simplement comme ça. Et en fait, je ne sais pas si vous voyez, et l'airflow commence à s'ouvrir. Voilà. Là, il est ouvert à fond. En fait, quand vous le redescendez, l'airflow descend. Ça se voit vraiment bien. C'est étonnant la première fois qu'on vape dessus. L'impression, ça fait une impression bizarre. Mais c'est très agréable. Voilà, donc on va se le démonter. Donc le top cap. Assez large. De type en délerin. Bien sûr, on peut le retirer. Je ne vais pas vous le faire, parce qu'on peut en fait adapter si on veut mettre un drip tip perso. Voilà. Et moi je kiffe ce drip tip là, pardon. Voilà. Les filetages sont super bien. Bon, il n'y a vraiment pas de souci. Ensuite, nous avons notre système d'airflow, en fait, c'est ça. C'est une petite bague avec un petit dôme. C'est vraiment bien foutu. Petit dôme pour les saveurs. Voilà, en fait, la bague se place comme ça directement. En fait, quand le top cap est vissé et qu'on va tirer des lattes dessus, bon, en fait, cette partie-là va monter et descendre. Voilà. Je vais mettre sur une box. Petite lap quand même. Bon, je vais mettre sur une box pour vous montrer l'intérieur. Donc hop, on enlève ceci, donc la bague avec les deux airflows de chaque côté. Avec une belle inscription, je vais pas dire laser, je pense pas que ce soit du laser. On sent pas qu'on passe avec le doigt ou très peu.
Voilà, Mirage. Evo. Et voilà notre base. Donc j'ai déjà fait un montage. Donc je suis en 0,30 ohms. Donc j'explique la cuve vite fait. En fait la cuve est petite quand même. Donc une contenance en liquide de 2,5 ml. Et en fait les airflow sont juste en dessous des coils. Vous avez deux petits trous. Je sais pas si vous voyez. Vous avez deux petits trous en fait, juste en dessous des coils. Et en fait l'air va arriver par ici. Tout le tour là. En fait, quand le top cap est dessus, on ne voit pas. Mais si la tour est fermée complètement, bah, l'air passe quand même ici. Donc pour les serveurs, c'est énorme. Après, c'est pas ma vape, moi j'aime bien quand c'est un peu plus aérien quand même. Mais c'est innovant, il est très bien quoi. C'est vraiment bien pensé quoi. Donc la cuve, petite cuve, hein, comme je vous disais ça. Le système d'airflow par le dessous. En fait, je vais essayer de dévisser. Je vais essayer de vous montrer ça. Hop. En fait, ceci s'enlève. Voilà, donc là en fait, je montre déjà ça. En fait, vous avez deux petits trous en fait où le jus va remonter sous les coils si vous le noyez un peu quoi, au remplissage. Il n'y a pas de fuite du tout, c'est vraiment agréable quoi. Et en fait, cette petite bague là, elle va récupérer le liquide. Si vous mettez trop de jus, dans votre dripper, ça va tomber ici. Et en fait, quand vous allez inspirer, et ben en fait le liquide va monter dans le plateau. Donc c'est super. C'est super. Voilà. Donc on met ça. Hop. Bien sûr, inscription en dessous. Donc vous avez AB1, mat, le numéro de série. Alors moi c'est le 117. Pin non réglable. Mais sur tout ce que j'ai vissé en box ou en méca, ça passe super quoi. Ça fait contact. Pin en laiton. Vous avez un petit pic en dessous, petit joint torique. Vous avez un plot positif et deux négatifs. C'est vraiment un chouette dripper, quoi. J'ai vapé pas mal sur pas mal de drippers et là franchement il est vraiment au-dessus quoi. Il est vraiment au-dessus de niveau saveur, niveau airflow, il est bien réglable quoi. Après, il passe super aérien, mais c'est vraiment ce qu'il faut, quoi. En tout cas, c'est ma vape, quoi. Clairement, je ne lâche plus. Donc voilà. On va se le visser là-dessus. Bah, écoutez, on va faire un petit cotonnage. Donc moi je prends du bacon V2, j'aime bien. Le cotonnage avec le bacon assez serré quand même. Donc on va se faire ça. Hop, hop, hop. Ça. Voilà, c'est pas mal ça.
y a pas énormément de coton quand même, il n'y a pas beaucoup de place, hein, donc faut vraiment pas mettre énormément de coton, mais bon. Oui et non, parce que c'est ce qui va vous faire votre stockage de jus, quoi. Sinon, vous n'allez pas arrêter de le recharger. Voilà. Bien sûr, j'ai pas mes ciseaux. Je reviens. Ne bougez pas. Voilà les amis, de retour, désolé. Donc, ciseaux, on va pas laisser énorme en fait, parce que dans la cuve en fait, vous avez un renfoncement ici, et là il n'y a que dalle quoi. Donc il faut vraiment poser le coton, juste effleurant. Ça on recoupera après s'il y a besoin. Donc là, ça me paraît pas mal. Le premier. Et le deuxième. Vraiment. Très important, je le redis, hein, le cotonnage, ça fait tout. Donc là, c'est le petit côté, on va couper juste pour tester dans la cuve. Et là, côté un peu plus long, on va se faire ça comme ça. Donc, on va placer notre coton. Bien sûr, bien laisser aérer quand même. Le coton est très important sur ce dripper là, parce qu'en fait, avec la cloche qui va venir par-dessus. Ce que je fais, oui. Pas trop le tasser, juste le mettre dans la petite cuve. Voilà. Bon, il est très simple, très simple à faire. C'est vraiment pas sorcier. On va se mettre du jus. Là j'ai pris un petit Banana Rider que j'ai revisité. C'est un Banana Rider et j'ai rajouté de la banane, tout simplement. Et super bon. Donc le coton bacon, hein, il est pas évident au départ, faut que ça s'imbibe correctement. Mais après, après, il n'y a pas de souci. Bon, généralement, on met. Moi, je le remplis par ici, par le même type, directement. Donc, 10 gouttes. Déjà 10 gouttes. On laisse le temps de s'imbiber quand il est sec. On peut remettre ouais, entre 5-10 gouttes en plus. Voilà, c'est pas mal. Pour le système que je vous disais, c'est en fait même si vous allez remplir votre si vous allez remplir votre cuve, même si le liquide est rempli, ça va tomber en dessous en fait dans la cuve qui récupère le jus. Et dès que vous allez tirer 2-3 lattes, bah, en fait ça va remonter, ça va alimenter le coton. Donc c'est bien foutu. Voilà. Encore un petit peu. Ça va bien. Voilà. Okay. Ça c'est fait. Donc bien sûr, mettre les airflow en face des coils. Bien sûr. Ça je vous le dis pas, vous le savez quand même. Voilà, donc bien
face. C'est fait. La petite espèce de cloche, hein. On va venir placer juste par-dessus. Il faut vraiment qu'elle pas qu'elle soit serrée, faut pas, voilà, faut que ça tourne. Passez le doigt comme ça. Avec l'air flou sur le côté, vous voyez qu'elle tourne de toute façon. Donc le coton n'est pas emprisonné. Voilà, on va se mettre le petit top cap. Regardez ça. Forcément. La cam, c'est pas évident. Voilà. Très bien. Bah écoutez, on va passer en plan large et puis on va voir comment ça va. Bon, les amis, donc on est passé en plan large. Donc voilà, on a rempli le mirage. On est en montée. Là, je suis. On va refaire tout, la totale. Donc là, airflow serré à fond. Très serré, hein. Très serré, mais déjà la vape est terrible. J'essaie de vous montrer sans faire le con. Pardon. L'airflow. Donc en fait, il est là. Et en fait, quand on le dévisse, on va voir. Ouais. Vous voyez la cloche qui monte. Donc là, on va l'ouvrir à fond. Et quand on la retourne, en fait, la cloche redescend. Donc on voit rien. Donc ouvert à fond, vous allez voir le petit bruit qu'il fait quand l'air fort monte, c'est sympa. Donc là du coup, forcément, beaucoup plus aérien. Mais les saveurs, c'est terrible. C'est vraiment un super dripper, quoi. Ouais. Il est joli, il est petit. Tout type, j'adore. En bouche, il est terrible. Je le conseille, franchement. Franchement, bon, le prix, oui, un peu cher, mais pour la qualité, l'usinage, du produit, de tout. C'est 4 sur Mike Racing, il est à 95 euros. Bon, en fait, sur la finition black, il faut acheter, je crois que c'est 10 euros. Ouais. 10 euros en plus. Donc, ça fait 115 euros de Reaper, mais il y vaut largement, quoi. Meilleur Reaper 2015, hein, je le redis parce que il est. Franchement, il est top. Il est super. Le volume de vapeur, la vape est épaisse, elle est, après, pardon, on va parler en défaut quand même, le défaut, le seul défaut que je trouve, franchement, c'est la cuve. Il y a 2,5 ml de cuve, ils nous auraient mis un 3, voire 4 ml de cuve en jus, ça serait. Après, il y aura peut-être une V4 où ils vont peut-être rattraper ce petit problème. Mais déjà, comme ça, il est très bien, quoi. Après, bon, c'est un dripper, hein. On remplit les drippers à chaque fois, comme d'habitude. Mais c'est vrai qu'une cuve plus importante, ça aurait été. Enfin, ça aurait été le must, quoi. Pour le détrôner après celui-là, avec une cuve comme ça, il n'y a pas moyen. Voilà.
à Mbappé. Là, je suis en 0-3, 0-3 home. Double coin, je sais pas, j'ai pas essayé en. J'ai pas essayé en single coin. Ça pourrait être possible, mais je vois pas l'intérêt, quoi. Il y avait deux airflow. Ou si, en single, fermé complètement. Comme ça. Voilà, les amis. Faut que j'arrête avec ce tic là. Bref, pas évident. Mais super départ. Je vous laisse là-dessus. Je suis à la bourre en revue. Donc on va essayer de refaire une rapidos. À bientôt.